Toi là. Oui, toi. Je sais très bien que tu regardes les vidéos sans être abonné. Alors abonne-toi et mets le pouce bleu. Merci. Bonne vidéo. Coucou, tu veux voir ma bite? 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 Ouais, je l'ai tellement vu que à force je suis habitué. Mais la question que je me dis, c'est que les enfants de Femi, quand ils vont tomber sur cette vidéo, ils vont être fiers de leur père. Mais qu'est-ce que suis-je? Duc de Vendaren! Hein? Depuis que je t'ai vu que tu m'as mis cette écharpe autour de mon cou, j'ai toujours eu envie de toi, Eren. Je veux que tu me fasses des enfants, Eren. Je veux que tu viennes me tirer les cheveux, Eren. Que tu me fasses vibrer tout mon corps. Que tu me plaques contre le mur. Que tu me plies en neuf. Que tu me fasses crémer jusqu'à faire du Dexteril. Que tu m'étrangles avec mon écharpe jusqu'à que je perde connaissance. Que tu me gifles comme si t'étais mon père. Je veux ta chienne, Eren. Ton objet. Ton escorte. Je veux que tu me caques le derche avec tes mains de titan. Que tu me bouffes le fiac. Je veux que tu me brises le dos jusqu'à que tu sois paraplégique. Que tu me mettes dans l'équipement tridimensionnel. Dans le... Pas mal du tout. La chute. Au début, je me disais, c'est quoi cette merde? Pas mal du tout. Alors, en tout cas, très très bonne vidéo. Quoi? Tes chaussettes, elles sont devenues grises à force, mon gars. Change les. Mais c'est pas drôle, toi, voilà. Ton legging de Tismé. Voilà, il y a 16 ans, il met des slips. Et voilà, je t'aime bien. Tu as mis tes jet ski. Tu nous as mis un collant, là, la vie de ma mère. C'est n'importe quoi. Il y a des bonnes vidéos, hein. Mais tu vois, moi, je suis pas comme les autres youtubeurs qui vont faire que rigoler H24. Moi, quand on me dit essaye de ne pas rire, le but c'est de pas rire. Oui, la vidéo est drôle de base, mais je vais pas rigoler comme un golemon. Non, je ne rigolerai pas dans cette vidéo, les gars. Je vais vous montrer la force mentale que j'ai. Le pire SMS que tu as envoyé? Moi, j'ai envoyé un message à une collègue de bureau, et le problème c'est que mon T9 il a corrigé complètement mon message, ça voulait plus rien dire. Ça arrive souvent, ouais. Voilà. Qu'est-ce que t'as... Enfin, c'est quoi le SMS qui est parti? Je lui ai envoyé, j'ai envie de te baiser mercredi. Oh non. Et tu voulais envoyer quoi à la base? Et je voulais envoyer jeudi. Excellent, j'avais envie de rigoler. En temps normal, j'aurais rigolé. La chute, ah ouais. Wesh, il a bu combien de litres d'eau, frère? Ok, la balle, t'es aussi, on t'a ou dans le sens. Pourquoi il partage pas, frère? Mon bébé, réveille-toi, c'est l'heure d'aller à l'école. En plus, maman, t'as... C'est pas un mec, lui, de base. Je te conseille de goûter, on m'a dit que c'était très bon. Tiens, tu veux pas? Tant pis pour toi. En plus, je suis sûr que cela... Dépêche-toi, mais tu crois quoi? Tu vas écouter ta mère un peu, tu prends tes affaires vite, là. Cours, cours, dépêche. Reviens ici. Dis donc, tu as pas oublié un truc? Le bisou. Imbécile, va! Allez, cours! N'oublie pas, tiens, le caleçon, hein! Cochon, va! Yo, White! Pas mal, la claque! Elle était pas mal! Et je sens que ça va être dur, hein! Je pense que je vais craquer à un moment donné, hein! C'est sérieux, cette affaire, hein! Ousmane! Putain, mais ça passe vraiment à la télé, ça! Bah, franchement, très propre! On est tous d'accord pour dire que Dieu a horreur du péché. Amen, amen. Mais dans la langue française, péché veut aussi dire prendre le poisson. Oh là là. Ça veut dire que Dieu déteste le poisson. Mais il a dit ça quand? Ça veut dire que Dieu déteste les sushis aussi. Donc il déteste les Japonais. Donc Dieu déteste les mangas. Est-ce qu'on fait des rapports comme ça vraiment? Ils ont fait quoi les Japonais? Un chrétien ne doit pas regarder de manga. Je vais vous expliquer pourquoi. Exemple, Naruto. Naruto. Route, chemin. Jésus est le seul chemin. Ah oui, il a tout whipping là. One Piece, une pièce. C'est même un pasteur maléfique. L'amour de l'argent, c'est mauvais. Donc faut couper. Oh, le CSC. Ma Hero Academia. Mon seul héros, c'est Jésus. Pasteur. Oh. Et mon académie, c'est l'église. Donc il faut couper. Le mélange est même intense. Là. Death Note. Hey, Jésus a vaincu la mort. Oui, bon, on a compris. Il faut couper. Oh. La seule chose que vous avez le droit de regarder, c'est Dragon Ball Z. Parce que Z, Zaïrois, Zaïr, RDC, RDC, Royaume des Cieux. Tout est connecté. Mais pas... voilà, je savais que c'était encore un enculé de fan de Dragon Ball. Là, je rigole. J'insulte pas les fans de Dragon Ball. Mais tu connais... ça taille One Piece, Naruto, mais ça met en avant Dragon Ball. C'est soit tout le monde prend tarif, soit tout le monde est bien.
Y'a pas un plus que l'autre. Oula, bizarre. Oh non, pas cette vidéo. Oh non, pas cette vidéo. Pas cette vidéo. Salam, bande de fils de pute. Donc je vous insulte toujours en début de vidéo et c'est pas pour rien. Vous êtes des sacrés merdes, donc... Ok, merci, c'est gentil. Ok, d'accord. Sergio bout de steak, Sergio blanquette, Sergio raclette, Sergio psartek, Sergio trottinette, Sergio biscuit, Sergio fouquette, Sergio bouscapé, Sergio belek, Sergio bucket de poulet, toi nique ta mère, ça nique ta mère, Sergio brusquement, Sergi basket, Sergi comme la ville. Ah, je savais pas, désolé. J'avais et pas. Le meilleur pour la fin, Sergio Bouteflika, donc le président d'Algérie à l'ancienne. Pas mal. Heureusement que je la connaissais déjà, donc j'ai pu, comment dire, me contenir à l'intérieur de moi-même, de prendre mon souffle comme dans Kimetsu no Yaiba, tu vois. Putain, je fais une ref à Kimetsu, qu'est-ce qui m'arrive? Oh, c'est gentil de... Oh, le coup monté. C'était un coup monté. Oh, le coup monté. Alors crois-moi qu'après ça, si je rentre chez moi et que ma meuf, elle a pas fait... Ah, ah non, non, non. Ah, sinon on va dire sur misogyne. Moi aussi je veux. T'as tapé Wano Kuni ? Ah non ! Rigole à ça! Maman! Putain, comme frère! Putain de merde! Je suis normal. Bon, du coup, j'ai rigolé, je fais quoi, chat? On peut commencer soft. C'est que le début. On peut commencer tranquille. Du coup, t'enlèves un vêtement. Tu veux me voir à poil ou quoi, là? 20 pompes. Ouais, 20 pompes, chat. 20 pompes! Donc, tranquille. 1, 2, ah. Ok. C'est tranquille, c'est le début, c'est le début. Après, pourquoi on fait plus de pompes? C'est la seule fois où on faisait les pompes. Ok. Maman, dans la catégorie histoire, quel homme a régné sur l'Europe? Quel homme a régné? Ouais. Eh ben, c'est Spiderman, y'a le chemin. Papa, dans la catégorie... Mais comment ça en Europe? C'est pas à New York, Spiderman? Et automobile, c'est quoi? Bah, elle est bête, la daronne. Je suis dangereux dans une voiture. C'est les femmes. Yes. A-t-il tort? Dans la catégorie grammaire, si je dis « Papa, il est beau », c'est à quel temps? Sûrement au passé. Papa, catégorie romantique, c'est quoi le pays de l'amour? La Thaïlande. Maman, dans la catégorie première dame de France, c'est quoi le gâteau préféré de Brigitte Macron? C'est les petits écoliers à Arcal. Toi, dans la catégorie horoscope, c'est quoi ton signe astrologique? Moi, je suis vierge. Ça m'étonnerait à Kahba. Mais attends, sa mère, elle parle vraiment là? Qu'est-ce qu'il y a, wesh bé? Ma copine m'a envoyé un message, elle m'a dit le courant il passe plus entre nous. Je sais plus quoi faire, voilà. Eh ben, passe là! Clairement, moi, une meuf me recale, je vais la taser maintenant. Non mais c'est bon au bout d'un moment, les tanas, tout ça là, c'est bon, casse les couilles frère. Tu vas voir si tu veux pas plus avec nous. Tu vas voir si t'as pas eu le coup de foudre, je vais te taser, tu vas voir. Su, les impôts, su. Bon, moi je retourne m'entraîner, moi. Et elle, cette grosse connasse de Yuga. Je sais plus comment elle s'appelle, je sais pas quoi, Yuga. Elle fait genre, elle veut me soigner. Au final, c'était une modératrice. Et elle m'a ban def. Elle voulait juste avoir mon blaze pour le mettre dans les paramètres et me ban du serveur RP. C'est grave, juste parce que j'ai fait su les impôts. Bah, j'étais content de payer les impôts. Genre, j'ai pas le droit. Parce qu'en fait, j'ai fait une ref à Ronaldo. Donc, en fait, c'était interdit dans le RP, comme c'est du serious RP. Et bon, je trouve ça un peu. Voilà quoi.
T'as des ADN de biche. Sale chiennasse de pute, va. Putain, voilà, je vais te mettre dans le coffre pour l'assurance. Toi, là, tu vas tout comprendre, sale chienne, va. Toi, la tête de ma mère, ce soir, je vais cuisiner ta mère. Toi, je vais cuisiner ta mère. Tu vois pas. Ensuite, je vais écraser ta tante et je vais la cuisiner aussi, tu vas voir. Pétasse, va. Ce soir, on mange de la biche. La vie de ma mère, ce soir, on mange de la biche. Rien à foutre. Attends, mais qu'est-ce que je viens de voir, là? Bon, ça arrive dans la route de percuter des sangliers, des biches, tout ça. Il a mis dans le coffre ce malade mental. C'est un malade. Je pense que c'est une fille qui sera s'occuper de Michael, qui est pas superficielle, qui est... C'est des bougies. Mais il est con, ce mec. Mais... Les bougies. Faut que j'aille aux toilettes. Alors là, j'en ai vu des imbéciles, hein. Mais alors là, quelque chose, hein. J'espère que vous avez bien tous pensé à prendre l'argent pour les forfaits. Oh putain. Papa, l'argent pour le ski. Voilà. On ne paye pas des tanas parce qu'il y a une main de disponible. Il y a toujours une main de disponible. C'est trop heureux. À Salakam, bah oui, il t'a parlé de Bojo dans la quinte. Dis, vas-y, viens. Oh. Ah, c'est qui ça, c'est lui? Qu'est-ce qu'il fout là-haut, là? Oh. Mais messieurs. Mais messieurs. Messieurs. Ah, c'est pour ça, là. Mais messieurs. Messieurs. Mais messieurs. Oh, messieurs. Oh non. On espère qu'il s'est fait agresser, hein. Non, on espère qu'il va bien, hein. Je me suis trompé de phrase. Moi, si je suis portugais, ma meuf, elle me trompe. Je lui mets du ciment dans la chatte. Moi, si je suis portugais, ma meuf, elle me trompe. J'en ai marre de combattre les miens, tout simplement. Moi, j'ai eu mes pouvoirs en mangeant le cheveu de mon sensei. Et vous? Bah, moi, c'est en mangeant le doigt d'un démon. Ouais, c'est chaud. Moi, c'est en mangeant un fruit du démon. Oh, stylé. Et toi, Eren? T'as mangé quoi pour avoir tes pouvoirs? Mon big daron. Tu décolles toi ou tu rigoles depuis tout à l'heure? Parce que... Enfin, je suis sûr, dans 20 minutes, elle accouche d'une mouette. Tu rentres comment? Uber mouette, vraiment. Elle a rigolé, elle a pondu, je suis parti. Ça vous dérange ou ça va? Non, parce que vraiment... Putain, mais la moyenne d'âge doit être de quel âge pour rigoler comme ça, là? Je vais péter un câble, genre plus tu vieillis, plus t'as un humour de merde. Va dans le coin, va dans le coin. Ici. Réfi, Darkus, c'est des gens du chat. Baisse ta tête. Baisse ta tête. Baisse-la. Oh, la ref, elle est exceptionnelle. La ref, elle est exceptionnelle. Moi, j'ai pensé à Mbappé, ceux qui ont la ref. Des fesses sur la tête. Femi Mars. Hello. Do you speak English? Yes. Do you want me to explain it to you? Yes. Okay. You have to. You don't have to move your feet. You just move your body with poses. Like when you choose a football player in the FIFA game. My English is very bad. Ooh. You are hot. Enfin, t'es chaud. Non. Oula. Après, c'est vrai qu'il est un petit peu hot, hein, avec sa chevelure là. Attends. Le petit d'Artagnan là. You're good. Ah, Belek, ça se dit, you are hot. Ah oui, ça veut dire que je suis tes potes. Ah merde. Non, you are good. Don't move your feet. Ok, don't fuck. No fuck. Ah ouais, non mais, dire que moi je suis nul, mais alors là, tu veux pas, on baisse pas? Non, attends. Non, moi j'ai, non, les doigts d'honneur. Non. Parce que là j'ai dit, attends, viens m'aider. Parce que en gros j'ai dit don't fuck. Parce que je dois donner, non. Okay. Sérieux, c'est bizarre. You alcool, que full alcool. Non, boisson, non alcool. Putain, là dans le bar, là, y a, c'est pas Kylian là-bas là? C'est lui là. Ah, soft drink. La vodka Red Bull, ça boit. Fruit juice, please. No fish. Ah, légumitas. Hein? Légumitas, je vais péter un câble.
Ouais, vegetables, ok, yes. Gracias. No halal. Meat. Pète un câble. Hein? This meat. Beef? Yeah. Al is halal. C'est bœuf, du bœuf. Mais pour toi, pour que. Non, pas no halal. It's beef, it's carne. Ah, carne no halal. Ah ouais. Non, non, ils sont énormes. It's big. Yes. Yeah, it's big, it's big. Oh, je suis trop fier, je connaissais que cette phrase. Non mais c'est terrible hein. Parce que encore avoir un niveau de merde en anglais, vas-y. Mais à ce niveau là, c'est que t'es pas allé à l'école, c'est pas possible. T'es pas allé à l'école, c'est pas possible. Mais quand même. Non c'est terrible. Bon ça le rire est sympa mais bon de là que j'éclate de rire on n'est pas là non plus. Eh les frères, je vais péter un câble. Qui a pris mon téléphone et est allé sur Tinder et a liké toutes les grosses de Tinder? Je vais péter mon crâne, vraiment hein. Genre, ça a aucun sens. Jamais j'ai liké ce genre de ton, putain. J'ai un match, je vais voir, je suis content. Une grosse putain. Un putain de gros camion de 34 tonnes, là, j'en ai marre. Stop, faites pas. Eh bien, ce pote, c'était moi. Voilà. Amputation. Et pendant un an, j'ai fait de la rééducation. La cicatrisation a été compliquée. Et l'année d'après, j'ai fait de la rééducation pour avoir une prothèse, tu vois. Comme dans Full Metal Alchemist. J'ai fait. Les biens. Vas-y, c'est un manga. Ouais, c'est un manga. Et en fait, il a fait une technique interdite. Il a perdu sa main et on l'a mis une main en fer. T'as eu la même chose. Ah, vas-y, j'ai pas la ref, mais ok. Okay. Sans bas les reins. Sans bas les reins. Je t'interromps juste un peu. Je pense que je vais juste mettre l'opening de Full Metal Alchemist. Ça me rappelle de bons souvenirs. Il s'en bat tellement les reins de l'histoire de base. Vas-y, merci beaucoup. Voilà, tu sais, on a tous été avec quelqu'un qui nous racontait une histoire, mais on s'en battait tellement les reins. On était en mode ah ouais, mais non, ah ouais, et tout. Et là, dans ta tête, tu te dis putain, fini. Et tu sais, t'essayes de tendre des perches. Bon, allez. Je vais y aller, tu dis bon allez. Ah bah ok, ouais je vois. Et en fait non, il continue. Donc toi tu montres que tu veux partir. Mais lui il continue de raconter son histoire. Ça y est. Et je pense qu'en fait il bah, faut être honnête en fait. Je veux dire, hey, ton histoire elle pue la merde. Et ciao, tu te casses. Je pense que je vais commencer à être comme ça maintenant, chat. Merci à toi. Putain mais c'était Billy Prime en fait. C'était Billy Prime à cette époque là avec le fond vert et tout là. Avec GTA RP avec le clavier dans la cuisse là. C'était quelque chose. Hey. Hi. My. Buy that one. Hi, 那个. My 那个. My leg. Il y a aussi en coréen un mot qui fait très penser au N-word. Pas si je gagne au loto, comme je l'ai déjà dit, c'est sur tous les réseaux sociaux. Quand je gagne au loto, je me casse au Bahamas avec des putes. Vous croyez que ça y est là, Robert. 64 ans, peut-être il a plus de femme. Il a tout compris à la vie. Il a déjà tellement donné. Il a tout compris, frère. Mais normal, j'aurais fait de même. Vous croyez que je reste devant vous, bande de nazes? Non, le meilleur métier, c'est celui qui nourrit. Ta gueule, chez ta sœur. Oh, damn. Mais tu sais, moi je veux dire la vraie dinguerie, c'est que là, tu vois, la vraie dinguerie, c'est les élèves qui vont vanner les profs. Mais quand eux ils se font vanner, ils font vraiment les pleureuses, les chouineuses, les miskines. Et ils vont aller dire ça, je sais pas, à la CPE ou à leur daron. Alors que de base, c'est eux qui ont provoqué le truc, tu vois. Un imposteur. Tranquille. Vous désirez?
Je voudrais faire une surprise à ma femme. Il paraît que vous en avez reçu un nouveau. Oui, ma femme est en train de l'essayer, mais je suis au... Ok, stop. D'après vous, de quoi parle cette pub? Qu'est-ce qui va sortir de derrière ce bureau? Ok, je sais, l'humain est mauvais. L'humain est malsain. Préparez-vous à ce que je vais vous dire, chat. Ça va sortir un sextoy. Un jouet sexuel en français. Parce que bon, s'il y a un mec qui a le level de nicotine dans le chat en anglais, c'était pour... voilà. Vraiment. Un bijou, un vêtement, parfum, un collier de nouilles. C'est un bleu, bleu comme l'ombre. La vivacité du citron se fond dans la bergamote. Et la vanille apporte sa fraîcheur matinale. Et vous verrez... Et ta mère! A été perfectionné. Attends, quoi? Il paraît que vous en avez reçu un nouveau. Oui, ma femme est en train de l'essayer. Mais... Sa femme est en train de l'essayer, sa femme a une bite! Comment ça? Femme est en train de l'essayer? Oui, ma femme est en train de l'essayer. Ouais, je confirme, c'est super! Oh putain, ça pue! Ah merde, il faut lui penser qu'elle était en train de chier. Moi, je pensais qu'elle avait une bite. Ah, c'est pas le même niveau de réflexion. Voilà. Tu sais, mon chéri, si quelque chose devait m'arriver, je voudrais que tu te remaries. Ça marche. T'as dit oui un peu vite. Non. Bah, il répond à la question. Normal. Genre, tu meurs, oui, ça me ferait terriblement mal, hein. Je me remarierais, tu vois. On sait jamais ce que l'avenir nous réserve ou pas, genre, voilà. Non, j'ai juste répondu ça pour te faire plaisir. Ok. Tu sais déjà avec qui tu... Vicky Conroy, ou... probablement. Elle bosse avec moi à l'agence, c'est une fille très organisée, les enfants l'adorent. Vous parlez de Vicky? Oui. Oh, cette femme, elle est trop géniale. Mais tu sais, moi aussi, si quelque chose devait m'arriver... Il va t'arriver quelque chose, je te le dis. Ah. Ah. Dur. Pachi, la maison. Oh, putain, les gars, je me rappelle comme si c'était hier. C'est une story Instagram, vraiment c'est un malade mental hein. Vraiment ça fait des années qu'il était en France, il sait pas parler français. Frère, cet enculé de Neymar, je l'adore Neymar mais là je parle pas pour français. Il a posté ça sur Instagram. Écoutez bien. La maison, Pachi, la maison. Comment, let's go. Ça va bien toi, ah, bonjour. Aïe 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 oui, oui. J'ai parlé français. J'ai pété un câble. Voilà le français qu'il a appris après toutes ces années au PSG. Voilà son niveau en français maximal. Voilà. Quand la story elle est sortie, j'ai cliqué sur la story. J'ai regardé d'abord, j'étais stoïque, j'étais choqué. J'ai genre vraiment acquis des rois, paralysé. Je regarde une deuxième fois, je pleure de rire. Je pleure de rire, je réalise pas. Ah non, c'est grave. Est-ce que si tu connais pas dans votre restaurant? Non, il est lui. Il même pas aimé le pied devant. Ah, il est pas possible là. Pourquoi? Oui, il y a des bananes pour l'envoyer ailleurs. Après les Italiens. We bring in the studio this morning one of the gay rights activists, Mr. Should I call you Mr. Pepe Julian Onzima. Thank you for coming in. Good morning. Why are you gay? Who says I'm gay? You are gay. How can I describe you? I'm a human rights defender, currently focusing on LGBTI issues. Just for the record, I am not a gay rights activist. I believe there's nothing like gay rights. There is human rights. Now we're looking at the raging debate. You're a gay rights activist. Why should someone be gay? Pourquoi quelqu'un voudrait être gay? Répondez le chat. Moi je sais pas. Après moi je respecte totalement bien évidemment. Mais moi, j'ai envie de savoir. Parce que moi, un homme, c'est moche. Disons les termes. Une femme, c'est magnifique. Je comprends même les femmes qui s'aiment entre elles. Je comprends. Je comprends. Gay people are born that way. They are born gay. Because you tend to realize yourself as... Or find out these changes in you when you're a child. You are initially male or female? Ah. The sex that was assigned to me at birth was female. And you opted to become male. Are you dating any female? Yes, I am. Doesn't that make you gay? Et lui, il veut juste abattre, hein. Il veut juste abattre. What do you mean, doesn't that make me gay? I am male and attracted to a female. So who is gay? Et lui, il a un reboot, là.
Il a un reboot, il fait un pressing carrément. Marie, la putain de ta race. C'est toi. C'est toi qui a planqué la coque, espèce de petit enculé. Non, monsieur. T'es qui, fils de pute? T'es un indique, c'est ça? Non, monsieur. Tu parles aux flics, t'essayes de me baiser? Non, monsieur. Je ne trouverai pas en tôle, t'entends? Oui, monsieur. Je vais reformuler la question, Harry. Je ne trouverai rien si je te fouille le fion. Non, monsieur. Tu en es absolument sûr? Oui, monsieur. Par pitié, sortez-moi cette version d'Harry Potter en intégralité. Je veux Harry Potter à l'école des dealers. Il faut que j'en ai... Harry Potter. Le cœur net. Penche-toi et tous, Harry. Peine devient un jour présidente. Je m'engage à essayer de serrer Marion. Elle est belle, Marion. Elle est bonne. La dernière fois que t'as pleuré devant un film, c'était un... Non ! Ça cut au pire moment ! Ça cut au pire moment, c'était le plus drôle ! C'était la meilleure vanne ! J'aurais pu rigoler carrément ! Un gros escargot. Eine große Schnecke. Merci. Maintenant, je dirais une meuf, t'as un gros escargot. Putain, vraiment, je suis une meuf, je demande le numéro de ces deux mecs, hein. Direct. Direct. La dernière fois. Ouais. Tu dans le bac à jouer. Ouais. Je vais prendre mon pâte, non. Mais tu es cheval, mon frère. Et alors, tu es cheval. Ouais. On était dans le bac à jouer. Je suis un cheval, ouais. Je suis un cheval. Tu veux voir Mousse Gang? Qu'est-ce que tu racontes? T'aimerais bien voir Mousse Gang, hein? Mais il est blanc. Mousse Gang de cheval. Mais c'est... Ouais bon, un peu long la blague là. Yo, why you look so sad? Take a sip, bro. The bridge is freshly painted. Hein? T'as dit quoi? The bridge is freshly. Le banc? T'as dit quoi, freshly? Il est peigné de quoi? Ah, il vient d'être peint. Freshly painted. Un enculé, il l'a vraiment niqué là. Interdit au chien. Ice, c'est interdit au chien. Tu vois, tu fais un roulade dessus le pelouse. Cette vidéo elle est trop drôle. Allez, roulade, fais le roulade, fais le roulade, allez, fuis. Oh la racaille, oh la racaille. Non, allez. Vraiment, cette vidéo elle met trop de bonne humeur en vrai. Non. Boogie l'a vu, eh, va de moi frère. Eh, fais que des edits où tu me terrasses, eh, j'aime ça, mais. Je vais l'embaucher pour clipper tous tes trucs de merde de toi et comme ça je te les balance tous un jour. Mais du coup, vu que tu es excité et timide en même temps, bah ça fait que j'ai une érection à l'heure actuelle. Natacha, viens là que je te caresse, Natacha, là. Tu ken des peluches. Mais tu vois, là, pourquoi dans ces streams, il est jamais habillé? Même là, il fait l'effort de mettre une belle veste, mais il est torse nu en dessous, frère. Pourquoi il est toujours à poil? C'est un nudiste, ce mec, hein. Oh, y a pas que des peluches que j'ai ken. Les noirs, c'est des traîtres. Il y a des étrangers. Que je vous banne. Oh, il sera au sol et je vais être là. Je vais siphonner. Je vais aller tellement loin dans ton boulard que je vais trouver du pétrole. Ah bah oui, mais je suis grossophobe. Bah oui, je suce, y'a quoi? Il fait bien en plus. C'est trop bien. Faut trier par couleur, les gars. Les blancs avec les blancs, les noirs avec les noirs. Oula. Voilà. Donc vous pensez que dans la SPM le mec le plus clean, dans le mec le plus sale, c'était moi. Maintenant vous commencez à voir que ceux que vous pensez qui étaient les plus gentils sont en fait les plus gros racistes, les plus gros détraqués sur Terre. T'as plus de nez. Non, mais si tu veux aller en enfer, tu vois. Non, tu vas aller en enfer. Est-ce que ta mère elle est belle? Elle a de bonnes culs. Allô, ta meuf. Mute un petit, il dit hey, ta mère elle est belle, elle a un bon cul. Un petit. J'ai la bouillarde chez moi là. Elle m'attend parce qu'elle a couché un bébé là. Quoi, t'as dit quoi, Daouda? J'ai dit pleure. Pleure, ça veut dire bien. Il a dit qu'il était algérien juste parce qu'il a mangé la sauce algérienne. Le sandwich. Arrête de mentir. Mon pote. Espèce de gros menteur, gars. Bah si, il a raison. Moi, quand j'étais au Japon, que j'ai mangé un ramen au Japon, j'étais japonais. Ne me parlez pas d'autres pays. Il a raison. Gros bébé. Bébé cadom, même. Ah, non.
bébé Kadom, j'ai dit. T'as quel âge? 9 ans. Un autre, hein. Oh, c'est la vérité, t'as quel âge? Il est déjà vigile. Salut à tous, c'est Femi Mars et je vous annonce que je suis gay. Voilà. En réalité, je m'appelle Calvas di Femi, le créateur de la calvitie. Les gars, faut à tout prix que vous voyez ça. J'ai DM Sukuna sur Insta. Salut frérot, tu vas bien? Mais je rêve ou c'est Calvas di Femi? Non ma couille, c'est effectivement moi, le plus grand pirate de cette génération, surnommé l'homme aux mille Calvas. Mais t'es qui toi? Abigail. C'est quoi ce nom de con? Déjà, commence à mieux parler de moi. Je vais t'apprendre le respect. Mais c'est quoi cette dinguerie du territoire? C'est quoi cette dinguerie? Hôtel démoniaque. Frérot, c'est pas comme ça qu'on fait. Attends, je te montre. Extension de la calvitie. Calvas démoniaque. Si ça t'a plu, tu peux t'abonner à Yatagarasu tiré du bas AI sur TikTok. Il avait sa pub. Il a raison. Wesh, c'est un cook. Wesh. Warren, vas-y. Maman, c'est quoi cette bêtise que je m'as fait dans l'évier là, hein? Mais j'en suis rien, moi j'étais en train de travailler, la maman tu me saoules. Donc moi je te saoule, moi je te saoule. Je suis ta copine, moi, je suis la seule vampire. Par contre, il y a vraiment ce truc qui me fait tellement chier, c'est que t'oublies de laver un truc, ou t'oublies de déplacer un truc. Toute la journée, la daronne elle va tout le répéter, tout le temps. Et moi j'ai un counter maintenant, c'est que je traîne H24 avec mes AirPods maintenant. Et du coup, je les mets devant elle. Je dis, regarde. Bam, j'ai le son à fond, je t'entends plus. Voilà. En fait, je l'entendais toujours parce que tellement elle parle, on l'entend. Mais je faisais genre, je l'entendais pas. Et du coup, elle a commencé à give up petit à petit. Mais moi, je suis ta copine, moi. Et tu ne me tournes pas le dos. Imbécile de chien. Moi, j'ai mal au dos, je dois passer l'aspirateur. T'as pas peur? Bah, je me suis déjà excusé. De quoi j'aurais peur? Ah, c'est tout le stock? En vrai, on est pas mal. De toute façon, on est pas mal là. Bah, en vrai, je suis chaud. Je suis juste trop chaud en fait, j'ai rigolé une fois. Donc en fait, il faut me challenger. Moi je dis, moi je suis pas comme les autres. Il y a eu des bangers, il y a eu plein de vidéos drôles. Premier degré, il y a eu plein de vidéos drôles, vous le savez. C'est juste que, ah, voilà quoi, j'étais trop solide.